Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager ceux qui ont abandonné de mettre la main là où ils souffrent. Il y a ceux qui suivaient les prières de samedi, qui écoutaient et qui priaient avec moi. Mais à force de ne pas voir le miracle, ils ont abandonné. Ne soyez pas découragés. Je vous encourage de persévérer. Toi qui as abandonné, toi qui ne mets plus la main là où tu souffres, toi qui veux un enfant et tu as abandonné, n'abandonne pas. C'est le piège du diable. Il y a un parabole que Jésus a donné dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Il a expliqué sur base d'un parabole d'un juge inique qui était juste envers une veuve pauvre et il a résisté à cette veuve, mais la veuve a persévéré et à force de persévérer, l'homme qui était méchant, l'homme qui ne craignait même pas Dieu, qui ne craignait pas les hommes, il a fini par céder. Il a fait justice à cette veuve parce qu'il a persévéré. Et Jésus a dit au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et t'adhéra-t-il à leur égard? Au verset 8, il a dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question fondamentale. Quand Jésus viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Si Jésus te regarde aujourd'hui, est-ce qu'il trouve la foi dans ton cœur? Parce que si tu as abandonné, si tu t'es découragé, ça dit que tu as perdu la foi. Et j'aimerais encourager ceux qui ont perdu la foi de ranimer la foi et aller dans un endroit calme, mettre la main où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'aujourd'hui, il y a une visitation. Il y a ceux qui seront délivrés, ceux qui seront guéris. Et j'encourage ceux qui ont abandonné, qui écoutent seulement, qui prient avant avec moi, mais qui ne prient pas. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Ranimez la foi, n'abandonnez pas, persévérez et soyez prêts parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi, Père éternel, c'est dans le nom puissant de Jésus, tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Sabaoth, tu ne changes pas, merci pour la visitation, merci pour la puissance qui se manifeste, merci pour les gens qui sentent déjà ta visitation, il y a des gens qui sont déjà touchés, il y a des gens qui sentent la manifestation et d'autres qui ne le sentent pas, mais il y a des puissances qui se manifestent, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parle, ouvre ta bouche, dis quelque chose, manifeste ta foi, parce qu'il y a la main de Josué qui visite maintenant beaucoup de gens, Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège contre la puissance satanique. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Si tu es enceinte, si tu as un enfant à ton ventre, mets ta main sur le ventre. Il y a deux enfants que le diable cherche. Je prie pour la protection divine. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ces trois couples. Il y a trois couples qui sont restaurés. Le diable voulait diviser ces trois couples. Deux étaient sur le point de divorce. Mais maintenant le Seigneur les a restaurés. Je prie pour la restauration. Et ces trois couples, ces trois mariages fonctionnent selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Je te remercie pour cette famille qui est délivrée. Il y a toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, je détruis cette puissance satanique. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a fait de m'écouter. Tu pries. Ça fait quelques samedis que tu pries, mais tu as toujours des fétiches, des gris-gris dans ton sac. Je te demande d'aller brûler ces gris-gris pour la délivrance totale. Il y a la main de Satan dans ta vie. Brûle ces fétiches, brûle ces gris-gris. Au nom puissant de Jésus, merci, merci, merci pour la visitation. Je prie pour cette personne qui est colérique. Tu as une colère démoniaque. Au nom de Jésus, reçois la délivrance et la puissance du Saint-Esprit qui te visite. Au nom de Jésus, tu vas commencer à avoir la paix dans le cœur. Tu es tout le temps irrité. Il y a la puissance de Satan qui t'avait lié. Que ces chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait le sentir d'une imagination partout. Tu te grattes tout le corps. Parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur ton bas ventre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son bas ventre. Tu as un problème d'infection urinaire. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui ont la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Reçois ton miracle. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 13 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 10 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 9 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Même si on ne parlait pas de ton cas. Aie la foi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Mais tu saignes presque tous les jours. Au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Je prie pour la protection de cet enfant. Que ces saignements cessent. Au nom de Jésus. Et que cet enfant naisse. Au nom puissant de Jésus, il y a la puissance de la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est délivré. Parce que chaque nuit, quand tu dors, tu pleures, tu cries. Il y a quelqu'un qui crie pendant la nuit, pendant que tu dors. Tu cries toutes les nuits. Au point que tu réveilles même ceux qui sont dans la même maison que toi. Que cet esprit de tourment cesse. Que cet esprit de tourment sorte de ton corps. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois des délivrances totales. Je te remercie, Seigneur, pour cette personne qui est guérie. Tu as un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'arrête beaucoup de douleur dans l'œil
l'œil gauche. Chaque fois, même maintenant, tu es en train de voir des larmes sortir de ton œil gauche. Tu es guéri. Garde ta main sur ton œil gauche parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a deux hommes et une femme. Vous souffrez au niveau du dos. Gardez la main sur le dos au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre tout le temps, qui a des douleurs. Pendant la journée et la nuit, tu as toujours des douleurs. Parfois, même tu portes des ceintures. Même maintenant, tu portes une ceinture. Je te demande d'enlever cette ceinture au nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Il y a la visitation au nom de Jésus. Ton dos est guéri. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Tu es délivré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 50 ans. Tu as plus de 50 ans. Mais tu vas tomber enceinte. Tu es même découragé. Mais tu es encouragé par les témoignages. Et le Seigneur va te donner un enfant à plus de 50 ans au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Il y a même la puce qui sort de l'oreille. Je suis te guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre de cancer de l'utérus et l'autre de cancer du sein. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur avec ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps, tout le temps. Au point que tu oublies même où tu vas quand tu sors de la maison. Le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Reçois la guérison. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de douleur au niveau du sein. Il y a la puissance de Dieu qui te protège. Il y a quatre personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le VIH, le virus VIH. Il y a deux hommes et deux femmes. Aujourd'hui, vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre du pancréas. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes et ce saignement cesse. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu somnoles partout, tu dors partout. Même au travail, tu as le sommeil. Tu as envie de dormir tout le temps. Tu veux rester au lit. Ce sommeil excessif n'est pas normal. Je prie pour que tu aies un sommeil normal. Au nom de Jésus, je brise cet esprit qui te rend esclave. Tu ne peux rien faire. Tu peux même pas conduire parce que tu as tout un sommeil. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de jeunes et de couples qui sont délivrés par l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes qui sont liés et des femmes mariées qui sont en train d'être délivrées de l'esprit de masturbation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui était lié par la pornographie. Ton ordinateur, ton téléphone est rempli de vidéos pornographiques. C'est un lien, c'est un esprit. Sois délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Une personne qui est tombée par terre au nom de Jésus. Tu es en train de rouler par terre. J'ordonne à ces esprits de quitter ton corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre personne qui est en train de vomir. Il y a deux personnes. L'une est en train de vomir, l'autre a la nausée. Tu as cette envie de vomir, mais tu n'arrives pas à vomir. Le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Tu as envie de te suicider. Ça fait beaucoup de semaines que tu as envie de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Que cet esprit de suicide te lâche maintenant au nom de Jésus. Toi qui es en train de rôter, tu es en train de rôter parce que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui sens le feu traverser ton corps au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a maintenant des vertiges pendant la prière. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as des vertiges, mais le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es visité. Il y a un homme qui prie pour sa femme qui est possédée par des démons. La femme parfois crie la nuit et sort. Elle a envie de se déshabiller au nom de Jésus. Ça, ce sont des esprits mauvais. Ta femme est libérée au nom de Jésus. Il y a un homme qui a pris d'impuissance sexuelle. Tu as mis ta main sur ton appareil génital. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. À partir de maintenant, tu es délivré. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance qui te visite. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le front. Au nom de Jésus, et sois la guérison. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas du tout. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne cites pas ton cas, aie la foi parce que je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Une femme qui a des cheveux qui tombent. Tu as la perte de cheveux régulièrement. Tu as tout essayé. Tu as essayé tout ce médicament. Mais le Seigneur stoppe cette perte. Et le Seigneur va restaurer ta chevelure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a la dent qui lui fait mal toute la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Reçois la visitation de Jésus. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu es la plus jeune. Tu n'as même pas 35 ans. Tu as déjà atteint la ménopause. Je détruis cette ménopause précoce. Tu vas recommencer à avoir tes règles, tes menstruations et tu vas concevoir un autre enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent du cancer. Toi qui souffres du cancer et leur foi parce qu'il n'y a pas de limite devant Dieu. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme. Il y a trois personnes qui souffrent du VIH, le sida. Mais vous êtes guéri. Recevez la guérison. Il y a quelqu'un qui fait quelques années que tu ne peux plus voir. Tu as perdu la vue. Mais je prie pour la restauration de ta vue. Que tes yeux commencent à voir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as l'infection vaginale et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour cette visitation. Merci pour ces miracles. À toi seul la gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ces gens qui sont visités. Je te remercie, Seigneur, pour cette personne qui est en train de rouler par terre. Deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Lâchez l'enfant de Dieu. Sortez de son corps. Merci. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a la puissance de Satan qui fuit le nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Jésus, dans la maison de Dieu. Ces deux corps sont le temple de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent une grande manifestation. C'est comme s'il y a le feu sur l'oreille droite. Le Seigneur te guérit. Il y a la puissance de
Dieu, qui se manifeste. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si Dieu est en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et parle. Demande à celui qui peut parler et que la chose arrive. Celui qui peut ordonner et que la chose existe, même si on t'a dit que c'est impossible. Toi qui as déjà atteint la ménopause, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Parce qu'il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Tu as plus de 50 ans et tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme qui vient de passer 14 ans dans la stérilité. Tu avais déjà abandonné, mais tu as entendu le témoignage. Tu as eu la foi. Je suis venu te donner un enfant, un couple, un homme et une femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous a visité. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi, ouvre la bouche. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu et l'enfant ne dépasse pas 3 mois dans le ventre parce qu'il y a la sorcellerie. Et je parle à cet esprit de sorcellerie. Lâche l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu vas concevoir la 7e fois et cet enfant va naître. Et quand l'enfant sera né, prends l'audio et témoigne pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte les marabouts. Tu viens de prier pour la guérison, mais tu consultes les marabouts. Tu dois te repentir au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés. Garde tes yeux sur Jésus et je suis seul. C'est lui seul qui peut te délivrer. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui rient avec moi maintenant. Pendant les rêves, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Si c'est toi qui vois les serpents, ouvre ta bouche. Proclame la victoire de Jésus. Parle, prononce le nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans la confession. Le nom de Jésus, c'est l'esprit de serpent. Lâchez les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, j'entends à ces esprits qui sont en train de parler. Maintenant même, pendant la prière, il y a des esprits qui parlent à travers ta bouche. Je vous ordonne de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Il y a quelqu'un, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que bailler et rôter. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est en train de faire des cases. Au nom de Jésus, tu es libéré. J'ordonne à ces esprits de sorcellerie de quitter les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui pénètre son corps. Au nom de Jésus, que tous ces liens de malédiction, les liens générationnels, que ce soit brisé. Toi qui as mis la main sur l'oreille gauche, reçois la guérison au nom de Jésus. Et un homme qui souffre du cancer de prostate, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de souffrir au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont visités au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le poignet gauche, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Que tu sentes ça ou pas, que je cite ta maladie ou pas, et la foi parce que la main de Jésus est en train de visiter beaucoup de gens. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous aviez le sida. Parmi les 3 personnes, il y a une qui est née avec le sida. Mais tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est libérée de perte de mémoire. Tu oublies tout. Tu arrives même à oublier où tu vas. Quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis à restaurer ta mémoire. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Toi qui souffres des synésites. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans de saignement. Des saignements qui ne cessent pas. Aujourd'hui, que son saignement cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a la puissance de Jésus qui se manifeste. Même si je ne citais pas ta maladie ou si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. Parce que si la main de Jésus visite les autres et que tu es en train de prier, toi aussi tu es visité. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui souffres de l'épilepsie, il y a un homme adulte qui est guéri de l'épilepsie et une femme qui est en train de prier pour son fils qui souffre de l'épilepsie. Ton fils est guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années qu'il souffre de la constipation, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a un autre homme qui a besoin de concentration, qui n'arrive pas à te concentrer pendant longtemps. Reçois la guérison. Toi qui souffres d'infection urinaire, reçois la guérison. Remercie le Seigneur. Toi qui as un problème de gland thyroïde, tu es guéri. Toi qui souffres de diabète et de l'hépatite C, vous êtes guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, reçois la guérison. Au nom de Jésus, que ces larmes cessent. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de migraines. Le Seigneur t'a visité. Tu es visité. Garde ta main sur la tête. Je proclame la victoire, la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue droite. Tu as des douleurs sur le côté droit de ta tête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Merci Seigneur parce que tu les visites. Merci pour la délivrance. Je m'adresse à ces démons qui sont en train de parler. Au nom de Jésus, sortez de la maison de Dieu. Quittez la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans l'œil. Il y a quelque chose, c'est comme si c'était du piment dans l'œil. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme prostituée. Le Seigneur te délivre de la prostitution. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la prostitution. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir maintenant pendant la prière. Au nom de Jésus, il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Il y a la délivrance. Je sens la présence. Je sens la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Tu vomis le poison que tu as mangé parce que le Seigneur te protège. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 4 personnes qui portent le virus VIH. Vous portez le virus du sida. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Et quand vous ferez le test, ce sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis le témoignage, tu ne faisais que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter au nom de Jésus. Tu es libéré.
préparer. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Depuis que tu es marié, tu n'as jamais conçu. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Tu as essayé in vitro. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, le Seigneur va te donner un enfant. Tu vas concevoir bientôt au nom puissant de Jésus. Merci, si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. Tu as déjà conçu une fois, ça n'a pas marché. Mais maintenant, tu vas concevoir un enfant qui va grandir. Merci Seigneur pour la femme qui vient de passer 13 ans. Depuis 13 ans, tu n'as jamais eu d'enfant. Le Seigneur te visite. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Merci Seigneur. Une femme qui vient de pleurer et de prier. Ça fait longtemps qu'elle te prie, mais tu es déjà enceinte. Tu ne sais pas que tu es enceinte, mais le Seigneur t'a déjà visité. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries au niveau du dos. Les hommes et les femmes qui prient pour le dos. Mettez la main sur le dos. Il y a même un jeune homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la gorge. Si c'est toi, mets ta main sur la gorge et remercie le Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a le sang qui coule tout le temps du nez. Au nom de Jésus, que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse. Il y a quelqu'un qui est encore paralysé. À partir de la poitrine, en descendant, ton corps est paralysé, mais tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a de douleurs au niveau du dos, côté gauche, en haut. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Même si tu ne sens rien, remercie le Seigneur pour ce qu'il a de faire pour les autres. Et toi, tu seras visité. Parce qu'il y a des anges qui agissent maintenant pendant cette prière. Il y a beaucoup de filles qui souffrent des règles douloureuses. Le Seigneur vous guérit. Que ces douleurs cessent pendant la période de menstruation. Il y a une autre femme qui ne fait que saigner. Des règles abondantes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout, pratiquement tout. Mais je prie pour que le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Le Seigneur te guérit. Restaure la guérison. Je prie pour tous les enfants qui m'écoutent. Si tu es un enfant, tu souffres. Mais la mère, tu souffres. Et la foi, parce que le Seigneur visite les enfants. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a deux personnes qui souffrent du diabète. Le Seigneur vous guérit. Si tu souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres de la tension artérielle, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de l'anémie depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, tu es visité, tu es guéri. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Recevez la guérison. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur au niveau de la tête. Mets ta main sur la tête. Le Seigneur te délivre des mauvaises pensées. Toi qui es lié par la drogue, au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a un homme qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Et ça ne marche pas. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Bon, je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la troisième fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le troisième enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont en train d'être brisés. Les chaînes de pornographie. Tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit. Que ce démon te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts, d'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles, mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête, parce que le Seigneur opère. Il y a délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits vous lâchent. Je donne à ces esprits de sortir du temple de Dieu, parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein.
Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21. Et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître. Et cet enfant est guéri et n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème de cancer de cerveau. Un cancer de cerveau, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a deux personnes qui sentent de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant, tu pries avec moi. Mets la main où tu souffres. Et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans, sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque une année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux. Tu es assis, mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. Deux personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus. Lâche ses béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la délivrance de ceux qui sont liés par l'esprit d'adultère, d'impudicité, l'esprit de pornographie. Il y a une grande délivrance. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je donne à ces esprits. Je prends autorité sur ces esprits. Et je les ordonne de te lâcher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a 2 autres personnes qui sont par terre parce que la puissance de Dieu les a visitées. Merci pour la délivrance. Que tous ces démons qui sont de parler à travers cette fille qui sortent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Pour la personne qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu as fumé pendant plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est ta délivrance. Une puissance qui te visite. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait 20 ans que tu es marié et qui n'arrive pas à concevoir. Mais aujourd'hui, alléluia, c'est ton jour. Ça fait quelques semaines que tu prends. Mais aujourd'hui, tu es visité. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces sorcelleries, tous ces liens qui t'empêchaient sont brisés. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 17 ans dans le mariage. Tu n'as jamais, jamais conçu. Au nom de Jésus, il y a la visitation. Toi qui viens de passer 8 ans, il y a la puissance de Jésus. Il y a la main de Jésus qui te visite. Tu es visité. Reçois la délivrance. Et je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Parce que Seigneur, quand tu veux faire un miracle, personne ne peut t'arrêter. Tu as fait ça pour Sarah. Tu as fait ça pour Elisabeth. Personne ne peut arrêter ta puissante main droite triomphante. Merci pour cette femme qui vient de passer 17 ans. Tu as un enfant de 17 ans. Tu as tout essayé pour avoir un autre enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne un enfant. Tu vas bientôt concevoir. Au nom puissant de Jésus, une femme qui a déjà conçu 2 fois. Ça fait plus de 5 ans. 2 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, un enfant meurt. Mais bientôt, tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom puissant de Jésus, un homme et 2 femmes qui sont libérées. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci, merci. Il y a quelqu'un qui souffre de la toux. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de tousser. Et souvent, quand tu tousses, tu vois le sang, tu craches le sang. Mais le Seigneur te guérit, que cette toux cesse. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Mais aujourd'hui, tu es visité, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de saignement continu, ça fait 2 mois que tu saignes, au point que tu as même de l'anémie. Mais son saignement doit cesser. J'ai dit que son saignement cesse. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 femmes et 2 hommes qui souffrent du diabète. Au nom puissant de Jésus, vous êtes guéri. Il y a un homme qui souffre des hémorroïdes. Aujourd'hui, c'est un jour que tu es visité. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Ça fait longtemps que tu souffres de l'anémie. Tu prends tous les jours des médicaments. Tu prends des médicaments à vie. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui arrête de crier. Tu es par terre. Aussi souffre au niveau du dos, le Seigneur te touche. Tu es guéri. Je prie pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a beaucoup qui sont visités, qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus, tu ne peux pas passer 2 mois sans être en crise. Mais aujourd'hui, tu es libéré, tu es visité. Il y a quelqu'un qui
souffre d'un poumon, quelqu'un qui m'écoute, un homme, il y a un poumon qui ne fonctionne pas bien. Au nom de Jésus, que tous tes poumons fonctionnent, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, qui dépend tellement des médicaments antidépressifs, mais de mettre sur la tête, parce qu'il y a une puissance de je suis qui te visite. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, deux hommes qui n'arrivent pas du tout à avoir des rapports avec leurs épouses. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Je prie pour cet homme qui souffre, qui a plein de crises cardiaques, qui a plein de cœur. Souvent, il y a des crises. Aujourd'hui, tu es libéré. Je prie pour que la puissance de Jésus te visite. Reçois la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Quand je suis descendu, quand il décide de guérir, personne ne peut arrêter sa main. Je prie pour ceux qui sont de près avec moi qui souffrent de l'hépatite B et de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C ou de l'hépatite B, et la foi que la main de Jésus t'a visité. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait longtemps qu'elle est pour le mariage, mais le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, tu es visité aujourd'hui. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a un enfant qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la visitation. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Ça fait des années que tu attendais. Tu avais même abandonné de prier. Mais aujourd'hui, tu as la foi et le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je demande à tous les enfants de mettre la main là où ils souffrent. Parce que c'est des enfants que le Seigneur visite. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la diarrhée. Il y a un bébé qui souffre de la diarrhée et de vomissement. Au nom de Jésus. Toi qui es maman, tu as un enfant qui a été ensorcelé. Que cet enfant revienne à la vie. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'ensorcellement, cet esprit qui veut prendre la vie de cet enfant. Que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Trois personnes qui vont sortir de l'hôpital vivantes. Il y a une femme qui est délivrée. Tu es lié par la prostitution. Tu vis dans la prostitution. Tu as même des enfants. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que ces liens de prostitution soient brisés. Tu sens le vertige, tu sens la faiblesse. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a une autre femme qui est par terre. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Je parle à ces esprits de te lâcher, de fuir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit vient de nous visiter. Il y a la main de Jésus qui touche beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui est liée par la jalousie, une jalousie démoniaque. Que son lien soit brisé. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 14 ans, tu es visité aujourd'hui. Toi qui viens de passer 15 ans, tu es visité aujourd'hui. Reçois la délivrance. Une femme qui vient de passer 8 ans, toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi, au nom de Jésus, je demande à toute femme, même si je ne citais pas ton cas, et la foi, et confesse que le Seigneur est capable. Tous ces miracles prouvent sa puissance. Il y a une femme qui a des jumeaux, qui a deux enfants dans ton ventre. Le diable réclame un de tes bébés. Que cette réclamation soit nulle. Tous ces deux enfants vont naître dans le nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom puissant de Jésus, je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Les prières sont exaucées. Au nom de Jésus, la parole disait que si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fera pour la gloire du Père, c'est pour ça qu'il est en train de libérer. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces trois personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de poumon. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui sens le feu sur la tête, c'est le Seigneur qui te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mal à la gorge. Garde ta main à la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur vous libère. Vous êtes libéré. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de perdre des cheveux. Au nom de Jésus, tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Alléluia. Une femme qui saigne tout le temps. Mais maintenant, pendant la prière, il y a des saignements. Mais j'ordonne à ce saignement de cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Qui peut te résister, Seigneur? Merci pour cet homme qui est guéri des intestins. Il y a un homme qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, tu es guéri. Si tu souffres du diabète, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir de la dépression. Aujourd'hui, tu es visité et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux hommes et une fille qui sont guéris du VIH. Le virus du sida, il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Il y a des enfants qui sont visités. Je vois des enfants guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre. Si la jambe, elle boite. C'est une fille qui boite. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit ton enfant au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Cet empoisonnement n'aura pas d'effet sur toi. Tu es libéré. Tous ces liens ancestraux sont brisés. Je prie pour tous ceux qui sont liés par des liens ancestraux, vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Depuis que j'ai commencé, il y a la salive qui remplit la bouche. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a tout le temps le sommeil. Tu vas dormir tout le temps, mais pendant la journée, tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Le bras gauche qui te fait mal, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur la joue, il y a quelque chose qui te fait mal sur la joue, au niveau de la joue, sur la tête, côté droit, et la foi que le Seigneur te guérit. Que toute personne qui prie avec moi
moi et la foi. N'attends pas que je cite ta maladie. N'attends pas que tu sentes la manifestation. Parce que je ne peux pas citer tout le monde. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais nous avons la foi. Et si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, il le fera pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces trois personnes qui sont de sortie de l'hôpital. Il y a trois personnes qui sont de l'hôpital. Deux qui écoutent à partir de l'hôpital. Et une troisième personne pour laquelle on est en train de prier. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Tu es désespéré. Mais change de vision. Parle. Confesse la puissance du nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des poumons. Tu es malade. Il y a un problème de poumons. Chaque fois que tu tousses, tu craches du sang. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Tu es visité au nom de Jésus. Tes poumons sont rétablis. Tu ne verras plus au sang. Parce qu'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, je déclare, je chasse ces démons, je chasse ces esprits. Sortez de la maison de Dieu. Sortez du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, toi qui es en train de t'enrouler, il y a un démon qui est en train de parler. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de quitter son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui est délivrée de la sorcellerie. Toute la famille était liée par la sorcellerie. Que ces liens de la sorcellerie soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a beaucoup de gens qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois, vous voyez des morts. Vous voyez des gens qui sont morts. Au nom de Jésus, que ces cauchemars disparaissent. Tu vois les morts. Ou bien tu vois un homme coucher avec toi. Tu te vois en train de coucher avec quelqu'un. Ces esprits de cauchemars. Fuis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a de la chaleur sur le cou. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier, qui veulent un enfant. Toute femme qui veut un enfant. Au nom de Jésus. Garde la main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 16 ans. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité dans le mariage. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite au nom de Jésus. Bientôt, avant la fin de l'année, tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce couple de 15 ans qui vient de passer 15 ans et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi. Et toi qui viens de passer 13 ans et la foi. Que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Et le médecin t'a dit que ton enfant a de la trisomie 21 et qu'il faut tuer cet enfant. Mais ne tue pas cet enfant. Cet enfant va vivre et cet enfant va être normal. Cet enfant sera né normal. Cet enfant est guéri. Il n'y a plus de trisomie 21 au nom puissant de Jésus. Il y a deux couples qui sont restaurés. Deux couples qui voulaient se séparer au point de divorce. Mais le Seigneur les restaure. Il n'y aura plus de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la réconciliation. Merci pour cette femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as problème de gloître. Le Seigneur te protège et te guérit. Tu n'auras pas d'opération. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Toi qui souffres au niveau des intestins. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a la visitation. Toi qui as problème de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres derrière l'oreille gauche. Juste derrière. Garde cette main. Parce que le Seigneur te touche. Il y a une femme qui a mis sa main sur le dos. Tu sens beaucoup de douleurs. Des douleurs atroces sur le dos. Garde ta main sur le dos. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries. Du diabète. Vous souffrez du diabète. Au nom de Jésus. Mettez la main. Gardez la main sur le cœur. Le Seigneur vous guérit. Trois personnes, un homme et deux femmes qui souffrent du diabète. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Garde ta main sur ta tête. Le Seigneur rétablit ta mémoire. Il y a quelqu'un qui souffre des synésites. Et la foi que tu es guéri, c'est toi, ouvre la bouche. Il y a deux hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème de tumeur au cerveau. Toi qui souffres qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre qui a une jambe gauche qui te fait mal. Tu marches grâce à une béquille. Je te demande de lâcher la béquille et de marcher au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Que la maman mette la main sur l'enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Et la foi, vous êtes guéris. Il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris. Mais la main là où tu souffres, il y a une femme qui met sa main sur le sein gauche. Tu as des douleurs au niveau du sein gauche. Et la foi que tu es guéri, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt dans l'oreille. Le Seigneur t'a guéri. Reçois la guérison. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du VIH, qui avait le VIH, le sida. Mais vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'anémie, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'odorat. Tu n'arrives plus à sentir quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, tu vas tout sentir parce que tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as pas senti la manifestation ou je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.
Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.